La créature a été trouvée en état de léthargie, dans une strate vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a choisi le nom Genova pour cette forme de vie inconnue. Muegel, 7 juillet de l'année 1977. Genova est identifiée comme ancienne. Muegel, 13 septembre de l'année 1977. Le projet Genova est lancé. Le nom Genova, pour cette forme de vie inconnue. Genova, identifiée comme ancienne. Le projet Genova est lancé. Zephyros, qu'est-ce que t'es venu faire là? Laisse-moi tranquille. Après ça, Zephyros est resté longtemps seul dans ce sous-sol. Il avait l'air complètement absorbé dans la lecture de ses documents. Ce nom écrit sur cette porte. Zephyros disait que c'était le nom de sa mère. Une ancienne? Bon. Allez, réfléchir me servira à rien. Faut que j'aille parler à Zephyros. Non. Les documents sont tout à fait passionnants. Ce spécimen extrait d'une couche terrestre vieille de 2 millénaires a semblé à mes yeux arborer un sourire gracieux. Après un certain temps, j'ai fini par comprendre. Cet être appartenait aux anciens, ce peuple légendaire des temps immémoriaux. J'ai voulu lui donner un nom. Et j'ai choisi celui de Genova. Peu après, le projet Genova a commencé. Il avait pour objectif de faire renaître les anciens. Une idée qui a mené à ma naissance. Le responsable du projet Genova, le professeur Gast, scientifique renommé, c'est lui qui m'a créé. Comment ça, créé? Ma mère attend ma venue. Attends, Zephyros, qu'est-ce qui te prend? Après ça, si j'avais repris conscience un petit peu plus tôt... Alors peut-être que... j'aurais réussi à protéger le village. Non. Peut-être pas. Ouais. Oh. Oh.